Madame, monsieur, bonjour. Puisque donc c'est bientôt Noël et que l'actualité du jour nous permet tout de même ce petit détour, sachez qu'à l'occasion des fêtes de Noël, à partir du 25 décembre, France 2 vous proposera chaque soir, avant le journal de 20h, le retour de Nounours, Nicolas et Pimprenelle, la série culte des années 60 qui se terminait par le marchand de sable. À l'époque, les enfants, il faut le dire, se couchaient encore vers 20h30. Nounours revient donc avec Nicolas et Pimprenelle. Patricia Charnelet. Voici sans doute l'un des plus jolis cadeaux de Noël pour les enfants et aussi pour les parents. Souvenez-vous, de 1962 à 1974, Nounours et le marchand de sable ont réussi à endormir Nicolas et Pimprenelle en 5 minutes. Et à leur suite, des milliers d'enfants qui, tous les soirs à 19h55, se couchaient après avoir vu Bonne nuit les petits. C'est ma fête! Mais oui, Nounours, c'est aujourd'hui? À l'époque, les enfants regardaient Bonne nuit les petits, puis ils allaient se coucher. Ça marchait, ça fonctionnait bien. Ça marchait à 51%. C'est-à-dire un enfant sur deux ne se couchait pas? Un petit peu plus, d'après un sondage qu'ils avaient fait à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui mènent le jeu. Autrefois, c'était Nounours et le marchand de sable, maintenant, c'est les gosses qui mènent le jeu. Vous voulez dire qu'ils vont refuser de se coucher? Tout à fait. Non, ils refusent le sable, déjà. Il dit non, on ne veut plus de sable. Alors ce pauvre marchand de sable, il le sème sur d'autres gosses. Puis après ça, il refuse d'aller se coucher, mais il s'endorme quand même. Ah ouf, sinon... Un enfant est toujours un enfant. Ces nouvelles aventures en couleur de Nounours dureront donc la semaine des fêtes, entre Noël et Jour de l'An. Et peut-être les retrouverez-vous l'année prochaine, si vous le souhaitez, ou plutôt si vos enfants l'adoptent. 30 ans après, Nounours pourrait bien redevenir une star. Voilà, patron, j'arrive. Je dois me sauver, les enfants. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. C'est beau.